de questions que tu passais sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Jésus, merci. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je suis arrivé le 26 novembre, je suis passé par ici le 2 décembre dernier. En tout cas, les Ivoiriens m'ont réservé un accueil plus que chaleureux. Je suis allé m'installer à Diberoua chez moi. Et c'est hier que j'ai reçu la visite de quelques membres du bureau de, comment tu appelles la société ? La DEFAD. Donc, après avoir échangé avec eux, je leur ai promis que je passerai aujourd'hui à votre siège pour vous saluer, pour connaître aussi là où vous êtes. Parce que quand j'ai fini de les écouter, j'ai trouvé nécessaire de venir les voir. Ils m'ont fait un cadeau là qui m'a émerveillé. Il y avait certes le pain Kita, mais il y avait le sac surtout. Qui était l'emballage du cadeau. Et j'ai demandé, mais ça là, vous avez payé ça où? Ils ont dit non, c'est nous-mêmes qui fabriquons. J'ai dit où? Ils ont dit à notre siège à Gagnoua. Et j'ai promis que je passerai aujourd'hui. Je suis donc passé vous saluer. Je suis donc passé vous encourager. Je suis passé vous dire, comme ce que je leur ai dit hier, vivre avec un handicap, ce n'est pas la fin du monde. Vous êtes aussi des êtres humains. Vous êtes des hommes et des femmes à part entière comme nous. Ceux qui ne savent pas ça, ceux qui ne connaissent pas la vie, peuvent ne pas avoir du respect pour les personnes qui vivent avec un handicap. Parce qu'à tout moment, tu peux rejoindre l'autre camp. À tout moment. C'est pourquoi on doit vous respecter. C'est pourquoi on doit vous soutenir. Et c'est pourquoi je suis venu ici aujourd'hui pour vous saluer.
on a appris votre arrivée dans la région. Mais on n'a pas pu se fondre à la population qui allait avec vous là-bas. C'est ça. Compte tenu de notre état. Donc, on a laissé la chose se dégraisser un peu. Et puis, on a effectué ce pas accompli là vers vous. Ce n'est pas un cadeau. C'est ce qu'on a pu vous offrir. En tout cas, pour vous dire, Yako. Votre absence était ressentie comme une privation ici. Mais, Dieu merci, vous êtes revenu parmi nous. Moi-même, je me demande si c'est lui. Je ne peux pas me trouver auprès de lui. C'est pas possible. Venu nous trouver dans notre trou ici, vraiment, cet acte-là nous va droit au cœur. Chez nous, quand tu n'as pas su quelque chose, dis bon, il faut me pincer d'avoir. Voilà. Faut pas photo, prenez photo. C'est moi, non? Oui, oui. Ah, voilà. C'est lui, hein? Tu m'as pincé, moi aussi, il y a tes pincées. Deux boudins m'a pincé. Regardez les merveilles de Rukia. Waouh. Je dis, regarde les merveilles de Rukia. Voilà son sac qui a fini un mois hier. C'est joli ça. Alors, c'est toi-même qui fais ça? Ou tu as appris à faire la couture? Ah, ok. Et une machine comme ça pour l'installer, ça coûte combien? Alors, laisse-moi y aller. Hein? Pour installer une machine comme ça fait 60 000. Et vous en avez combien ici? Donc 10 de plus de chaque machine. Ça, là, c'est... Ça fait quoi? Broderie. Ah. Ah, c'est broderie. Ça, c'est combien? 200 000. Oui, attends, voyez, c'est... Bon, ça, c'est bien chouette, ça, là. Ouais. Hein? J'ai payé ça pour toi, oui, mais... C'est... Je suis séduit, hein. Je suis séduit et je pense que vous méritez qu'on vous aide, qu'on vous soutienne. J'imagine que... C'est pas parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de machines, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça. Donc il faut bien que les personnes de bonne volonté puissent aider l'association des personnes handicapées de la région ou du département de Gagnon. Voilà. Et moi je suis là pour lancer cet appel. Je suis là avec Rukia, qui est venu me voir hier, qui fait ces merveilles là. Oui. Au lieu de mendier dans la rue, elle fait ces merveilles là. Elle travaille, elle préfère travailler pour voir sa dignité. C'est elle qui fait tout ça. Je pense que moi, j'invite tout le monde à acheter un petit sac, c'est aider cette association. Et puis ceux qui peuvent, je pense que cette machine coûte 60 000 francs. Tu peux même acheter 10 et puis ça ne va pas gâter tes projets. Mm-hmm. Ça ne va pas diminuer ton aïeul. Il y en a dans ce pays là qui peuvent faire ça. Cette machine coûte 250 000. Ça lui permet de faire ce qu'il faut de faufiler. Et ça, c'est pour broder aussi. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut aider nos frères et nos sœurs. Je suis là pour les encourager et pour les aider à avoir le matériel qu'il faut. Donc, pour donner l'exemple moi-même, au nom du COGEP, on va vous remettre 250 000 francs pour d'abord ajouter et payer une telle machine. Déjà. Voilà. C'est important. En tout cas, je vous encourage. Je vous félicite. Et puis, tu fais un sac à combien? Mmh. Ah, c'est 1500. Tu exposes ou bien c'est ça qu'on paye? C'est ça qu'on paye. Ah. Hein? Il y en a un là-bas à 2500. Bon, je m'en vais avec tout, hein? Oui, oui. Après, il y a des punaises. Ah, il y a des punaises dessus. C'est valable pour le marché, faire les achats au marché, comme pour les courses au supermarché. Envoyez sur moi. Je suis venu payer tout. Voilà. Il ramasse tout. Je m'en vais avec ça.
je paye tout. Elle va faire la comptabilité. Elle mérite d'être encouragée. Il y a des questions que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les papas et papa et papa et papa et papa. Il est les papas et papa et papa et papa et papa. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Rejoignez-nous au projet.